Alors je suis en Égypte, je suis l'auteur de Swan, une bande dessinée qui vient de sortir chez Gallimard, qui traite de la naissance de l'art moderne. Et auparavant, j'ai réalisé d'autres bandes dessinées comme Stupor Mundi ou Adon Hall sur l'émergence de David Bowie. Swan est une bande dessinée qui raconte l'émergence de l'art moderne, ce qu'on va appeler l'impressionnisme. Et pour raconter ça, j'ai inventé deux personnages de fiction qui sont une femme américaine très jeune qui s'appelle Swan et qui vient avec son frère découvrir le Paris des artistes. On est au moment où la France et surtout Paris devient la capitale mondiale de la peinture et ils vont être les témoins directs de l'émergence de Manet, de Degas et de toute cette école qui va révolutionner l'art pictural. Je me suis toujours intéressé à la peinture, aux images, à comment elles sont fabriquées. Et je me suis rendu compte en lisant dernièrement quelques bouquins que ce qu'on appelle les impressionnismes, c'est un phénomène à la fois très célèbre et assez méconnu, c'est-à-dire de la manière dont ça s'est mis en place, des relations entre les peintres, c'est-à-dire qu'on raconte, on pouvait trouver facilement des biographies de tel ou tel peintre, mais il n'y a pas de récit collectif. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter comment un groupe de gens, et de gens très très différents, que ce soit Degas, Manet, Pissarro, sont des gens qui sont de milieux, de cultures et de caractères très très différents, se sont retrouvés dans un même mouvement contre la peinture académique et pour promouvoir et développer une nouvelle façon de peindre et de voir le monde. Et c'est ça que j'ai voulu raconter. Et j'ai voulu raconter vraiment les prémices parce que on a une image assez vieillotte de ces gens-là, puisque par définition, on les voit quand ils sont âgés, quand ils ont réussi, et on les voit avec des grosses barbes blanches, etc. Alors que c'est des gens qui ont été des rockers, quoi. C'est-à-dire ils ont eu 20 ans, et à 20 ans, ils voulaient déjà révolutionner le monde, la peinture, c'était des rebelles. Et c'est pour ça que j'ai voulu montrer que ce sont des gens très proches de nous, c'est des gens très proches des jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire à 20 ans, on a envie de changer le monde de nos parents. J'ai d'abord voulu éviter la fiction ou le biopic, qui sont des genres dont je me méfie, parce qu'en fait, on peut avoir l'impression, on a l'illusion que tout ce qui est raconté est vrai. Donc moi, mon propos dès le départ, c'est de bien dire au lecteur qu'on est dans une fiction. C'est-à-dire que les choses que je vais raconter, il y a toute une partie qui est vraie, qui est basée sur des faits historiques, sur des vrais personnages, et toute une partie est portée par des personnages de fiction, parce que ça permet de mettre, à mon avis, beaucoup plus de dynamique, de dramaturgie, de s'amuser. Et ce que j'essaye de faire à chaque fois dans mes bandes dessinées, c'est de créer un personnage auquel je puisse m'identifier. En gros, moi, je suis à la place de mes personnages de fiction parce que c'est des endroits, des époques où j'aurais voulu être. Et je pense que pour le lecteur, c'est pareil. C'est-à-dire que, donc, assez rapidement, je me suis dit, il faut que ce soit un personnage étranger parce qu'il va découvrir Paris de manière très naïve, comme nous, on peut découvrir ce Paris du 19e qu'on ne connaît pas. Et la deuxième question que je me suis posée, c'est quels sont les obstacles que peut rencontrer un personnage. Et là, je suis dans des questions dramaturgiques très simples, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un vrai suspense, il faut qu'il y ait des vrais problèmes, des vrais obstacles. Et c'est là où je me suis dit, il faut que ce soit une femme, en fait, puisque à cette époque-là, vraiment au milieu du 19e siècle, la carrière de peintre est quasiment interdite pour une femme. C'est un milieu très masculin, très dur, très misogyne. Les femmes ne font que poser, ce sont des muses pour les peintres. Et il me semblait intéressant de faire en sorte que ce soit elle, entre elle et son frère, c'est elle qui est la plus douée au dessin. Et donc, elle veut accomplir une destinée qui est quasi impossible pour une femme, c'est devenir peintre et devenir peintre professionnel dans le Paris de cette époque-là. Alors le titre de ce tome 1 de Swan, c'est Le buveur d'absinthe. C'est le nom d'un tableau d'Edouard Manet. Et ce que je raconte dans cet épisode-là, c'est ce tableau que Manet a réalisé pour entrer au salon. Le salon, à l'époque, au 19e siècle, c'est le seul endroit où la peinture est vraiment exposée. Donc quand un peintre veut se faire connaître, il doit être accepté au salon. Et comme Manet est un rebelle et qui croit
qu'avec sa peinture novatrice, il va pouvoir bouleverser un peu tout ça. Il va faire une peinture très osée d'un buveur d'absinthe, donc d'un alcoolique, d'un clochard, et le tableau va être refusé. Donc c'est un élément qui ponctue le livre, sachant que chaque tome en fait que je vais développer sera autour portera le nom d'un tableau d'Edouard Manet, qui sont des tableaux qui ont marqué leur époque. Le buveur d'absinthe parce qu'il a été refusé. Le prochain, ça sera le chanteur espagnol. C'est un tableau qu'il a fait après cet échec. Il va un peu se modérer et il va réaliser un tableau qui va être accepté. Là, il va devenir le porte-parole de la nouvelle génération. Et le tome 3 sera autour d'un tableau extrêmement connu qu'est Le déjeuner sur l'herbe, où en fait, Manet va être encore plus subversif que la première fois et il va proposer un tableau qui va choquer le monde entier. Donc c'est pour ça que ce tome-là s'appelle Le buveur d'absinthe. Alors cette double page que je vais vous commenter est inspirée de récits, de faits réels, on va dire. C'est-à-dire que Manet, de temps en temps, allait au parc, il allait aux Tuileries, au Bois de Boulogne, et il allait faire ce qu'on appelait des pochades. Alors une pochade, c'est une petite peinture comme ça, qu'on fait très vite pour s'exercer un petit peu, pour étudier la lumière, etc. Et donc j'ai mis en scène quelque chose qui lui arrivait de faire de temps en temps, donc qui est basé sur des faits réels. Et après, j'ai imaginé cette scène qui caractérise bien un peu la manière dont je travaille, c'est-à-dire que c'est très plausible, c'est-à-dire que ça aurait pu se passer, on ne sait pas si c'est passé, mais donc il y a une dame parmi le public qui vient lui le féliciter parce qu'elle trouve que sa pochade, son esquisse est très jolie. Et elle lui demande elle lui dit qu'elle aimerait bien l'acheter une fois que la peinture sera finie, terminée. Et alors là, on voit que Manet est un peu agacé parce que pour lui, la toile est finie. Et c'est une manière pour moi de poser vraiment les enjeux de ce qu'était l'art moderne. C'était justement cette question de savoir quand est-ce qu'une œuvre est finie. Parce qu'à l'époque, dans la peinture académique, un des principes forts, il y en a plusieurs, mais un des principes forts, c'est qu'une toile devait être fignolée jusqu'au moindre détail et on ne devait pas voir les coups de pinceau. Et ce que j'essaie de montrer là, c'est que ce que Manet défend, c'est une peinture beaucoup plus vivante, donc il peint d'après nature, c'est-à-dire ce qu'il voit devant lui. Et pour lui, il n'est pas nécessaire de cacher les coups de brosse ou les coups de peinture. On voit très bien que c'est de la peinture, on n'a pas besoin d'illusions. Et c'est vraiment la démarche moderne qui est racontée ici en une douzaine de cases. Et ça résume bien ma manière de raconter l'art moderne, je pense. Bah, moi, je sais que le Festival Angoulême, c'est vraiment un endroit unique où toute la bande dessinée mondiale se réunit. C'est un peu comme le salon au 19e siècle, mais pour la bande dessinée. Moi, j'ai eu la chance d'être sélectionné il y a 2 ans pour Super Mundi. Et j'ai vu le retentissement que ça a eu. Donc, je me suis rendu compte vraiment que c'est un festival hyper important pour faire connaître la bande dessinée. Évidemment, quand vous êtes auteur, si vous êtes remarqué à Angoulême, ça a un écho incroyable. Et puis j'ai eu la chance de faire un concert dessiné. Donc j'avais une trouille énorme, mais c'était un de mes plus beaux souvenirs ici à Angoulême.